voici au palmarès 1946 et au premier festival. Grand prix du dessin animé, la boîte à musique de Walt Disney, États-Unis. Grand prix de la couleur, Ai Pushko pour la fleur de pierre, URES. Prix du jury et grand prix de la mise en scène, la bataille du rail de René Clément, France. Grand prix et grand prix de la meilleure interprétation féminine et grand prix de la meilleure partition musicale. Commençons par l'interprétation féminine, Michel Morgan. Pour le compositeur de ce film, Georges Auric, pour la symphonie pastorale de Jean Delannoy, France. Grand prix, brève rencontre de Davidine, Grande-Bretagne. Grand prix de la meilleure interprétation masculine, Ray Milan pour Le Poison de Billy Wilder, France. Grand prix, Rome, ville ouverte, de Roberto Rossellini, Italie. Et le grand prix pour Marianne Cantelaria d'Emilio Fernandez, Mexique. C'était le palmarès 1946. Présenté quelques vedettes qui se trouvent en ce moment dans ce palais du festival. Madame Michel Morgan, Monsieur Pierre Blanchard, qui représente le film de la symphonie pastorale, et Ray Milan pour son film, enfin disons pour l'interprète de ce film qui fut Le Poison de Billy Wilder. Voici nos trois vedettes aujourd'hui même dans ce palais. Du film dont nos deux interprètes Michel Morgan et Pierre Blanchard ont été les interprètes du film de Jean Delannoy. Voici la symphonie pastorale.